Bienvenue tous sur la chaîne Boule de Classe TV, ici BDG. Donc aujourd'hui, on va parler d'une grosse news qui a eu lieu il y a quelques heures. Et oui, c'est le rachat de Bungie par Sony. On rappelle que Microsoft avait acheté Bethesda pour 8,1 milliards de dollars, puis a racheté Activision pour presque 70 milliards de dollars. Et maintenant, c'est Sony qui rachète Bungie et qui nous dit même, tranquillement, vous n'êtes pas prêts. Ce n'est encore que le début, il y aura d'autres surprises. On rappelle que Bungie sont les créateurs de Halo et Destiny, donc il n'y aura pas Halo dans l'eau. Faut pas. Halo, il n'y aura pas Halo. Bah oui, tout simplement parce que ça appartient à Microsoft. Moi, à titre personnellement, je m'en fous, je ne suis pas un fan de Halo. Mais pour les fans de Halo, ils seront bien contents. Mais quand on voit ce que Halo s'est devenu, est-ce qu'il ne serait pas temps de le rendre à Bungie? Donc voilà, on va parler de cette news-là. Sony qui achète Bungie pour 4 milliards à peu près, à quelques millions. Hop, donc qu'est-ce qui se passe avec Sony? Qu'est pas ça Sony? Qu'est pas Sito? Donc on rappelle, Bungie appartient désormais à la grande famille PlayStation, une entreprise américaine et bien connue des joueurs puisqu'elle a l'origine de hits planétaires comme Halo et Destiny. Donc est-ce que Destiny va devenir exclusif? Non, ils ont dit qu'ils souhaitent de rester indépendants. Donc Bungie n'intègre pas les PlayStation Studios et vient plutôt trôner aux côtés de l'organisation. Donc ils auront les talents de Bungie, sûrement pour une nouvelle... Bah, ils l'ont dit, c'est pas sûrement, c'est sûr. C'est pour une nouvelle IP qui va être sûrement exclusive aux consoles Sony. Et Destiny ne sera pas exclusif. Le constructeur souhaite utiliser l'expertise du studio dans le développement multiplateforme et les services de jeux en direct. 3,6 milliards. Et les discussions se seraient tenues au cours de 5-6 derniers mois. Et même Phil Spencer, le boss de Microsoft Gaming, a félicité les entreprises sur Twitter. Ils seront d'être là où se trouve notre communauté, ou qu'ils choisissent de continuer. Avec le soutien de Sony, le changement le plus immédiat que vous constaterez est une accélération. Accélération du recrutement de talents dans l'ensemble du studio. Pour soutenir notre vision ambitieuse, si cela vous parle et que vous souhaitez nous aider à faire une brèche dans l'univers, nous recrutons dans toutes les disciplines pour Destiny 2 et pour tous les modes au-delà. Donc Bungie qui recrute des nouveaux talents. Bungie qui a été racheté par Sony. Le jeu vidéo cette année nous réserve encore des belles surprises. Vraiment, encore des belles surprises. Je pense qu'on va avoir encore beaucoup de choses, on aura beaucoup de surprises. Peut-être que Sony va racheter Konami, Square Enix, et pourquoi pas un retour de Metal Gear Solid chez Sony, développé par Hideo Kojima. Ce serait de la balle, moi un grand fan de Metal Gear. En tout cas, c'était tout pour cette news, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, et tchuss.